DJ Stéphane. Bala Mwange. Congo ya Lumumba Congo. La fachi beton. Tangwe koki yo yo yo. Tangwa ngoya ngoyo ye koki. Tolanda kango. Papa Stéphane, Bala Mwange. Oh yeah yeah. Bien, merci Tango Koki, RDC, Tango Koki, le Congo, Tango Koki, la République démocratique du Congo, Tango Koki, chers compatriotes, Mwanamboka, Mibengana Nuke Nazawa Zalendo, Nazali Moimboka, Tango Koki, Félix et Antoine Tshisekedi du Tshilombo, a regagné le pays depuis le samedi passé en provenance de la Chine. Tango Koki, Misala Isaac Salamana Congo. Je suis Monsieur Mara Bobola. Je suis analyste politique et communicateur. Je suis également, pourquoi pas, Wazalendo, pourquoi pas, le Congolais qui sont en train de soutenir le développement de notre pays. Alors, vous nous suivez de partout. Vous êtes en Inde, vous êtes en Chine, vous êtes en Asie en particulier. Vous êtes aux États-Unis, dans le pays de Joe Biden et dans le pays de Donald Trump. Vous êtes également au Canada, vous êtes en France, en Belgique, au Royaume-Uni, à la Grande-Bretagne, en Hollande, partout où vous vous êtes retrouvés. Vous êtes au Rwanda, à Kigali, vous êtes à Tanzanie, vous êtes ici à Kinshasa. Pourquoi pas dans la province de Lualaba, chez Maman Fifi, Masuka, moi Sipemoto, Nengena Bengakaye. Je vous dis bonjour. Alors, nous allons essayer un peu de discuter avec vous tout au long de cette émission. Je crois que nous allons partager autour sur ce plus ou moins, c'est pendant 25 ou 30 minutes plus ou moins, parce que ma voix est tellement cassée. Nous sommes en dehors d'ici, nous sommes aussi sur le terrain. Nous sommes en train toujours de prêcher la République et nous parlons la République. Nous redynamisons, nous vulgarisons l'amour du pays. Nous parlons aux Congolais comment aimer ce pays, comment aimer ce compatriote. Comment appliquer l'amour entre nous. Alors, je vous salue encore de nouveau, que le Seigneur bénisse votre début de semaine. Nous allons parler urgent, les FRDC et les Wazalendo, ainsi que les Burundais de l'EAC découvrent une bastion du M23 dans le territoire de Masisi, au niveau de la localité de Bihambwe. Là, nous sommes dans le territoire du Nord Kivu. Ce sont les FRDC et les Wazalendo appuyés par la force de Burundi ou la force burundaise découvrent ce qu'on appelle une bastion du M23. Le cessez-le-feu a commencé depuis ce qu'on appelle le 4 août dernier. L'Union africaine, à travers la médiation de João Lourenço, avait décidé à travers la feuille de route que le gouvernement congolais ainsi que les FRDC ainsi que l'armée rwandaise qui appuie l'alliance du fleuve Congo de M. Corneille Nanga ainsi que les M23, nous avons le UPDF, le RDF, nous avons certaines forces aussi des UPDF malgré qu'ils étaient en mutualisation avec l'armée congolaise, mais les FRDC et les Wazalendo ne sont pas du tout distraits. Parce que nous les rappelons toujours d'être un peu vigilants. Ils sont entrés notamment de travailler. Ils ont découvert ce qu'on appelle une bastion du M23. Restez branchés, nous allons développer cette thématique ou alors ce premier sujet que nous allons développer avec vous au niveau des Tango Koki ici à Kinshasa. Deuxième sujet, toujours dans la guerre dans l'Est de la République démocratique du Congo. Messieurs Kagame, les sanguinaires vivants, les zombies vivants comme Marabobo aime l'appeler. Kagame au nord, désormais les héros vivants des génocides rwandais des années 94 et leur promettent le ciel en cas de victoire de la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Kagame a promis ce qu'on appelle le ciel aux généraux ou alors aux héros vivants au cas où ils gagneraient ce qu'on appelle la guerre dans l'est de la République démocratique du Congo. Et Kagame est entré de l'air honoré et de l'air décoré à tant que les héros vivants. Alors, ici à Kinshasa, nous rentrons ici à Kinshasa. Félix Tshisekedi, après son voyage plein de succès au niveau de Chine, le président congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo annonce ce qu'on appelle les remaniements du gouvernement Judith Suminon
dans un conseil des ministres extraordinaire aujourd'hui au niveau des cités de l'Union africaine, ce qu'on appelle de l'organisation de l'Union africaine, l'OIA. Le président congolais annonce ce qu'on appelle les remaniements. Ah, je ne comprends pas. Mais pourquoi le chef de l'État a annoncé ce qu'on appelle les remaniements dans les conseils des ministres extraordinaires? Pourquoi le conseil des ministres est appelé le conseil des ministres extraordinaires? C'est parce que c'est dit jamais vu depuis que le président congolais est arrivé à la magistrature suprême. C'est la première fois que le président de la République annonce ce qu'on appelle tient le conseil des ministres un certain lundi. Parce que depuis toujours, le président congolais a l'habitude d'annoncer ou alors d'appliquer le conseil des ministres chaque vendredi, le début des week-ends. Alors, nous allons commencer par les premiers sujets comme nous avons annoncé et nous allons chiter par le conseil des ministres où le président congolais a annoncé ce qu'on appelle les remaniements du gouvernement Judith Suminwa. Nous allons vous donner pourquoi le président congolais a annoncé ces remaniements et pourquoi seulement en plein milieu comme ça que le président congolais a annoncé les remaniements. Peuple congolais, sombele suka bisanga bolobo suka ngbele mokolo bako la kango makambote ata ukoseli mokolo makambo yebaka eke mokolo koko makaka. Non, voilà, nous allons réaliser notre projet là le 30 septembre. Yo kimi moto babengaka le 10 septembre, okimi ye le 15 septembre. Mais yebaka eke le 30 septembre. Tango to koma le 15, to kokota le 16, to kokota le 17, to kokota le 18, to kokota le 20, to koma le 25, to koma le 27, le 28, le 29, le 30. Ça veut dire que mon kolobako c'est la ngoma kamote. Alors, peuple congolais, la guerre dans l'Est République démocratique du Congo, Ezakoti Kabiso toujours, Obabenga Kautolo Bakango dans le poteau, nous sommes sans voix et nous ne savons pas quoi faire. Mais les FRDC ne dorment pas. Les FRDC sont toujours debout. Pourquoi les FRDC sont toujours debout? Je l'ai annoncé ici, je l'ai dit ici, que si nous ne faisons pas attention, le gouvernement congolais risque de perdre le contrôle de ce qu'on appelle la province de l'Ituri et la province du Nord Kivu. Et nous risquerons encore de perdre ce qu'on appelle la province du Sud Kivu. Pourquoi je suis en train de le dire? Parce que au niveau de l'Est République démocratique du Congo, nous avons ce qu'on appelle les différentes armées que le chef de l'État a convoquées, que le chef de l'État a fait la demande à travers les forces armées des différentes nations que nous puissions démettre, que nous puissions mettre fin à la guerre dans l'Est République démocratique du Congo. Mais malheureusement, ces armées, lorsqu'ils viennent sur le sol congolais, ils se transforment aussi à d'autres armées qui combattent les FRDC. Est-ce que je me suis fait comprendre? Ça veut dire que Tozana Bitumba Ozobunda na kati ndaku na yo. O monye ke Bitumba o ngamoko na okokate. Okeyi ko benga ba voisin. O bengi bato ya simandaku. O bengi même bato misusu bazali na 10 km. Boya botianga maboko to bundisa moto za ko bundisa ngai. Bantu wana ba ye en lieu et place ya ko bundisa moto o ya za ko bundisa yo. Bango ba préféré, ba ti a maboko, ba baluki la yo, ba koma lisu ko bundisa yo, ba komi service ya renseignement contre yo, ba installé ou ba benga ka ba bastion na bango. Et c'est ce qui se passe dans l'Est République démocratique du Congo. Ici, nous sommes dans ce qu'on appelle dans la province du Nord Kivu, dans les territoires de Masisi, entre les territoires de Masisi et les territoires de Rutshuru. Et dans un village, dans la localité, ba benga ango. Comment on appelle ça, excusez-moi, le nom c'est un peu compliqué, la localité de Buhambwe, entre les territoires, notamment de Masisi, et les territoires de Rutshuru, bastion ya M23, Oyo, le Wazalendo, na le FRDC, Bakei Bongo, ko découvrir. Mais qu'est-ce qu'on appelle une bastion? Les bastions, lorsque un pays est en guerre, c'est ça qu'on appelle même les quartiers généraux. C'est ça qu'on appelle même là où se trouve, comment on appelle ça, le nœud, ou alors le nœud de l'endroit où se trouve les militaires, ou alors les ennemis d'une force régulière. Les M23, Bakéu qu'on s'installe. Tango Bango Bakéu qu'on s'installe. Et l'armée congolaise, Akéu a monié que, Awa Oua, mouvement, ils allaient sous-souter.
Parce que dans les différents villages, dans les différentes localités, biso ba tokola na mboka toyebi. Na ba village ezalaka pendant la journée, okomona eke ba activité vraiment ezate. Parce que les gens s'y rendent beaucoup plus na ba bilanga. Ba tobaza okende bilanga, le kola na est beaucoup plus ba kota ka bilanga. Le kola baza na ba ngombe na bango ba bokolaka, moto akoti ka bilanga ake peut-être 10-15 km. Côté oya sala champ na ye oyo alona maïs alona peut-être le quoi bango kuna mingi balona ka ba madesu les haricots balona ka pe wabenga ba pomme de terre mais en dehors de cela bazape na ba bibole na bango ba bokolaka bazala ba ngombe bazala makamo basalaka mais les FARDC a constaté que avec l'armée burundaise tozo pe sa coup de chapeau et pas na président burundais o babenga ka comment il s'appelle Ndayishimiye. C'est parmi le président Oyazali sincère à travers son partenariat avec la République démocratique du Congo. Et c'est parmi les chefs de l'État qui soutient le président congolais depuis Tozana Katabitumba Oyo. En tout cas, coup de chapeau, le président burundais Ndayishimiye. En tout cas, nous tango koki ensemble avec le peuple congolais qui soutiennent, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Tu peux si obongo maboko na biso pambate tout moni que la force burundaise azali ko travailler. Alors dans les territoires oba benga ya Rutshuru ba kei ko découvrir na village oba bengi ya Bihambwe. Dans ce village, qu'est-ce qu'ils ont découvert? Ba découvrir que silence ezali radio bibwele kaka eza ko tambola banda ko za toujours ko kangama bango batali balobi non. Na cadre ya patrouille, na cadre ya oba benga kaya ko découvrir les différentes bastions o ezali ya M23 ko kende ko tia bango maboko nde ba kei ko découvrir ba benga ka une autre bastion. Je crois que à 2 à 3 km na village wana na sima ya bandako bango ba kende ba sala bastion na bango oyoyo ba kenda ka ko traquer population ba botoli biloko. So ki ba kei ba kangi population ba kei ba garder bango kuna et tant ba za ko garder ba ko zwa téléphone ba bandi ko benga ba yebisio benga bandi ko no bazali na Goma benga bandi ko no bazana Ituri benga bandi ko no bazana Poto bati na mbongo so ki ba tindi te to ko bomayo. Alors quelque part bazali na bato o bango ba tortiraka bokomona eke ndeko na bino abengi bino mais bozoyo kana kati kuna bato baza ko lela nzambe na kufi nzambe a moye zate botika baza ko frapper na ndenge moko ya jete. Alors le Burundais na compte ya EAC même ata EAC yango e kenda soki ko sala oyoyo baza ko tozali ko senga eke baluka moye ba kende pa mate ba mission na bango izalaki na complaisance avec les M23 mais les Burundais na compte ya EAC ba ke ko découvrir bastion wana et au moment où nous sommes en train de vous parler peuple congolais ba traquer batwana ba kangi bango et il y a même des certains civils oyoyo bazali na o babenga ka ba binationaux azali soit congolais azali soit rwandais bazali ko travailler o babenga ka avec les M23 pona ko luka ndenge nini ba koki ko sala nini jansi est-ce que okoki ko sunga biso na vidéo oyoyo et permettre bande ko batala ndenge nini les FARDC na ba wazalendo na force burundaise ba kei ba kangi o babenga ka ba jeune bazali ko collaborer na bande ko ya M23 baza ko memela bango biloko ko lia baza ko memela bango ba produits pharmaceutiques bango nde bazali ko collaborer na bango. Alors il y a deux vidéos moko ezali ya ba jeune wana o bazali ko collaborer na les M23 une autre vidéo ezali o ezali ya Rwanda bakangi Rwanda wana balati si teni ya FARDC ko kanisa ye ki azali FARDC alors que azali ko travailler bongo na ba M23 toko landa video wana comme ça tozonga na sima pona ko sala mo développement tokota na deuxième sujet na biso to landa video oyo chers compatriotes. Ah, tu as dit que 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 tu as Hey,
Alors, pour si on a Kolanda, les deux différentes vidéos. Première vidéo, pour que mon chaîne wana va maîtriser. Ce botali vidéo pour mon ake mituka ya ba soda eza koleka. Jeune wana ba kangiye pambate ba soupçonna ki est déjà. O yazali en collaboration na batu ya M23 na quartier wana. La vidéo est longue. Moi to la tsango bino yon soyate parce que ngonga ezango ba to expliquer bino ba kamundengi niza ko kende. Le jeune là va être ramené. Il sera ramené par le FRDC et le Wazalendo avec ensemble avec la force burundaise à Kendekula qui sa quartier Oyoyo et Sika Oyo le M23 Batier Bastion na bango. Pambate soko tali na vidéo, ils a même na ndekuna biso moko congolais. Oyo apesi mbata, hein, oyo bazako lobaki non kobeta ite oui parce que ça énerve. Ça énerve. Bande kuna biso bazako kufa. Bazako violer ba mama. Mais yo jeune modèle oyo, ozali na service ya banguna. Jeune modèle ozana service ya banguna. Yango omoni ndekuna tangwa yaki ayemba la moko aye kobeta ye. Alors, deuxième vidéo bomoni ezali ya o Rwanda. Balatisi est tenu à FRDC. Normalement, Azali FRDCT. Même comme on a une morphologie, c'est vraiment un Rwandais. Ou un Rwandais, ou Azali qui travaille en collaboration avec les M23. Tant que on a bouillé, il y a un tout ça vigilance. Et pas la bande de Gonabiso, Bazana Ituri, Bande de Bazana Est, Bazana Goma, Bazana Bukavu. Tant que vous avez soda, Alatika a tenu à FRDC, et c'est que vous l'avez bien. Yo comme on a dit qu'il y a FRDC, en réalité, ce n'est pas un élément de FRDC. C'est quelqu'un au Yazali na service Yabanguna. Alors Bandeko, un coup de chapeau et pas na ba FRDC na biso kaneto lobaka. L'armée congolaise, c'est la meilleure armée au monde parce que nous avons fait 26 ans. 26 ans sous embargo. Tout somba ramindu kité. Mais les FRDC continuent toujours à se battre. 26 ans tout somba ba armée maté. 26 ans auto kenara ba formation té. Mais les FRDC continuent toujours à se battre. 26 ans, oyoyo, Kabila tiki armé na biso. Soda ou babeng officier supérieur. Azako touché moins de $500. Officier supérieur. Azo touché moins de $500. Ou babengi ba service à renseignement militaire. Bango koutou salé na bango ye banarate. Ou babengi service à renseignement. Jean-Cy Brigitte Kibala, Bangoku du Salé na Bangoye Banarate, Tala armée Oyo, Kabila Tiki Labiso, mais la armée modèle Oyo, Togolong Abitumba Nengenini, peuple congolais, avec telle armée, comment nous allons vaincre Oba Bengi Bitumba? Yango Moni Fati Betoaye, a réhabilité Oba Bengaka, hôpital Yaka, Tchatch. Fati Betoaye, a réhabilité ba école Oezali na Kan Tchatch. Fati Beto aye, azui salaire ya basoda. A longoli ango zaga na 70-80 dollars. Fati a matizi salaire ya basoda. Fati Beto aye, a honoré ba officier supérieur na biso. Fati Beto aye, a yena teni asika. Ça veut dire que, kozala congolais de père et de mère, ils ali toujours avantage pour nakuluka ko servi mboka. Kabila misala na ye elakisa kieke, azala ki vraiment congolais te. Parce que misala ya Kabila, eza koula ki sa réellement penza ke, Azala que babengaka moitié moitié ndambo ndambo coup de chapeau et fana et FRDC na biso en tout cas musala ezako salama na est toleki o babengaka na eteni na biso ya mibale chers compatriotes. Kagame ne dorme pas. Kagame est toujours en train de chercher comment il peut mettre à genoux ce qu'on appelle le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Kagame est en train toujours de réfléchir comment obtenir ce qu'on appelle la balkanisation. Kagame est en train toujours de travailler pour chercher à mettre au Babengaka à terre le gouvernement de la République démocratique du Congo ainsi que le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Quelques jours passés, M. Kagame a appelé tous les officiers supérieurs de son armée. Parce que quelques jours passés ici, Kagame a organisé ce qu'on appelle les élections. Mais lorsque Kagame est passé après ces élections, où il s'est donné lui-même ce qu'on appelle le pourcentage dans ces organisations des élections de 99,4%. Ça, nous n'avons jamais vu ça dans l'histoire politique et économique et sociale, dans l'histoire électorale au monde, où il y a eu des élections, qu'un président en fonction puisse obtenir plus de 99%. Mais l'élection a boué. Jésus en collé. Mais l'élection a boué, ça, la Marakaka, na Rwanda. Chef de l'État a organisé l'élection. Congo a organisé l'élection.
sous la prouesse, sous les pulsions du chef de l'État. Mais c'est Denis Kadima a organisé l'élection. Tout le monde est chef de l'État à Zouaki 74,3%. Mais Kagame a créé que Zoua 99,4%. Ah, où est ta génie? Bananga na tanga, na monana le biloko ya beauté. Natali même histoire politique des États-Unis. Bas suffrage ou ya boitika la kosala mate. Bam pourcentage ya boitika la kosala mate. Mais Kagame a mis pesi et moko ba point. 99,9. Kagame a yambi ba officier supérieur. Na luki vidéo wana na moni angote. En tout cas, na ebite. Boko melanga même na ba commentaire, je vais vous envoyer cette vidéo. O Kagame a yambi ba officier supérieur. Ya armée, na ya la police. Et quelques officiers, na quelques responsables à service à renseignement na ye. Na ya DGM. Kagame azali ko loué bango. Apesi bango ba pete. Apesi bango ba oba benga kabwa keli bango ba flair. Ce qui est normal pour tout chef d'État. Oyoyo, lorsqu'il veut se pérenniser au pouvoir, il doit toujours penser comment féliciter les officiers supérieurs de l'armée, de la police et quelques responsables des services de renseignement militaires et services de renseignement civil. Oh, et pas na biso babinga ngo ané. Kagame ayambi bango en tout cas apesi bango ba pété. Mais c'était dans quel contexte? Pourquoi Kagame a réuni ses officiers supérieurs? Landa s'il vous plaît chers compatriotes. Nous le savons que dans les années 94, le Rwanda a eu ce qu'on appelle les confrontations entre deux tribus. Le Congo qui par contre a ce qu'on appelle 450 tribus. Nous avons les Batando, nous avons les Bayanzi. Nous avons les Baumbu, nous avons les Bayaka, nous avons les Bangombe, nous avons les Bangwaka, nous avons les Bangwandi, nous avons les Mbuza, nous avons les Banande, nous avons tous ces tribus-là. 404 tribus avec 254 ethnies. Contrairement au Rwanda, Kagame n'avait que deux tribus. À l'époque, M. Habyarimana, le président rwandais, où il était ami de Mobutu, Habyarimana va être tué par M. Kagame, a été soutenu par l'Ouganda, par M. Museveni. Où M. Kagame va appuyer Museveni pour avoir le pouvoir en Ouganda, la chose promise, la chose dite, la chose faite. Et Museveni va appuyer encore M. Kagame pour obtenir le pouvoir. Ils vont abattre l'avion de M. Habyarimana en provenance de Burundi. Aujourd'hui, sous la gestion de M. Ndayishimiye et Habyarimana sera décédé. M. Habyarimana, lorsque M. Habyarimana mourra, Kagame va prendre le pouvoir. Et avant qu'il prenne le pouvoir, il y a eu ce qu'on appelle génocide au niveau du Rwanda. Et le génocide a organisé, ce génocide a emporté plusieurs millions de personnes. Plusieurs millions de personnes ont été emportées par ce génocide. Appuyées par la France, par l'opération qu'on appelle la Turquoise, opération Turquoise, où les Rwandais vont s'entretuer pour chercher que l'une des tribus puisse dominer. Et les Tutsis, appuyés par la France et quelques multinationales, parce qu'ils avaient déjà ce qu'on appelle les ambitions de balkaniser l'Est République démocratique du Congo et de chercher à piller les ressources au Babengi, ma matière première, dans le sol congolais. Et c'est comme ça que les génocides rwandais ont eu même plusieurs Rwandais et quelques Congolais au Bakoukoufa. Mais dès ce jour-là, il y a eu ce qu'on appelle le mouvement au Babengaka, ouverti, il y a couloir humanitaire. Oyoba FDL, baye le loko se kriye, namabele, ya République démocratique du Congo. Mais il y a encore certains généraux vivants, Oyo Kagame, Andima Kieke, Amonieke, Lokola Nazu Bokonzi. Bola na raison, Oyope Saleke Kagame, Akokabongo, ko félicite Bango. Première raison, c'est les féliciter après la victoire du génocide. Deuxième raison, c'est de chercher à les cajoler, à les caresser et à les flatter. Pour que Kagame reste encore aussi le temps que possible à la tête du Rwanda. Parce qu'après les élections, certains généraux se voyaient déjà qu'ils sont fatigués de louer, d'applaudir et d'acclamer l'unique personne qui est à la tête du Rwanda depuis des années.
yango moni kagame akei pona ko féliciter bango. Mais troisième raison ezalini, la raison la plus majeure, la raison la plus importante pour Kagame ezali a promettre bango lola ayebi si bango, si nous gagnons la guerre dans l'Est République démocratique du Congo, nous allons, je vais vous donner le ciel. Là Kagame est en train de promettre aux officiers supérieurs rwandais. Peuple congolais, bon moni ndenge bazali ko corrompre ba militaire. Les officiers supérieurs rwandais, ils sont corrompus moralement, financièrement et matériellement. Apesi bango mbongo, apesi bango mituka, apesi bango avantage, les fils et filles bana ba officiers supérieurs rwandais, ba kendaka poto. Vacances boy, ba pesi bango billet, accueilli poto. Ba se faire soigner, ba pesa bango ba soins de santé na Grande-Bretagne na ba hôpital ya poto. Bazala bandako ya bien, bazala ba mituka, bazala ba prime, yango moni, ya certains officiers supérieurs rwandais, oyo bazali ko appuyer makamuza ko sala mana est. Et le col a promettre bango le ciel. Kagame ayebi si bango, je vais vous donner le ciel. Ah, Kagame se donne trop la tête. Il se prend un peu trop la tête, ce Kagame ici. Il se tape un peu la poitrine pour la makamu ya guerre ya est. Mais nzambe azana peuple congolais. Nzambe azana biso. Mabele ya bakoko ekendete. Kagame a promettre bango le ciel. Ayebi si bango, si nous gagnons la partie est république démocratique du Congo, si nous gagnons la guerre contre le régime de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je vais vous donner le ciel. Et c'est comme ça qu'il a dit ça aux officiers supérieurs rwandais. Peuple congolais, Mikoleza Koya, beaucoup de monde a dit qu'il aura des généraux rwandais au Bakozala parmi les M23. Et c'est parmi les motivations de Kagame, et parmi les motivations de Kabila, parmi les motivations de Nanga. Il y a un Nanga. Tant que vous avez dit que l'avion congolais a violé l'espace aérien du mouvement du M23 et de l'AFC. Et ça pas embatté. C'est parce que Ayebi que Kagame a appuyé Bango. Et Ayebi que dans les jours à venir, il aura des officiers supérieurs rwandais au Bakuzala Pembeni à Nanga. Boka moite, pas embatté Nanga. Kagame a promettre ba officier supérieur na yo ba benga kango nini le ciel en cas de victoire ya nini ya guerre ya est na mboka na biso yango moni biso pe esengeto tia maboko e pa na ba wazalendo esengeto tia maboko e pa na ba FARDC na biso esengeto za la liso likola liso esengeto telemela ba tomboki na ba ligne nyonso ya front to neutraliser bango to récupérer ba village o ezali occupé to kende ko boto la Bunagana to boto la Kichanga to boto la Nyiragongo to boto la Rubavu to boto la banini wana. Mais eloko moko na ko préciser ezali que jusque là les mouvements du M23 n'ont pris en otage aucun territoire. Si vous savez un territoire qui est occupé par les M23, écrivez-moi dans les commentaires. Nous soutenons nos FARDC, nous soutenons le Wazalendo et nous soutenons aussi le commandant suprême qui est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Peuple congolais, tout ce qui est un coup, qui ça, bongo, lula cannabis et alélo, les chefs de l'État en provenance de la Chine annonce les remaniements dans un conseil des ministres extraordinaire du gouvernement de Judith Toulouka. Mais pourquoi le président de la République a quoi annoncé au Babengaka remaniement? La nomination de Judith Toulouka Soumina est intervenue, je crois, que dans un contexte particulier. Le contexte, c'est quoi, peuple congolais? La République démocratique du Congo, nous sommes confrontés à une menace qui est permanente. Cette menace, c'est l'agression rwandaise. Que le président de la République a fait de cela son cheval de bataille sur le plan diplomatique. Où le président congolais est en train de passer, partout il est en train de passer, il ne cesse de parler de l'agression rwandaise. Au départ, c'était quand même quelque chose, beaucoup de Congolais pensaient que la communauté internationale ne ferait rien, absolument rien, dans ce sens. Mais au fur et à mesure qu'il y a eu trop de dénonciations, il y a eu même l'un des joueurs congolais que je vais saluer ici, Bakagol, qu'on appelle Cédric Bakambu, notre ancien léopard, parce que dans le sur la liste que nous sommes en train de préparer la CAN, je n'ai pas vu monsieur Cédric Bakambu sur la liste.
je pense qu'ici, il y a des Congolais. Je suis en train d'envoyer mes félicitations à Bakagol Cédric Bakambu avec son geste qui avait fait comme ça. Et le monde entier avait aussi pris ce qu'on appelle en fait boiter les pas. Mais le contexte diplomatique, le président congolais a décidé de dénoncer l'agression rwandaise. Sur le plan politique, le président de la République, au niveau de l'Assemblée nationale, a donné sa vision de pacifier l'Est de la République démocratique du Congo. Et c'est ce que vous avez dit, que vous avez vu, l'ancien président de l'Assemblée nationale, Papa Mboso, avait prévu une loi sur, c'est cette loi qui a été votée, sur la loi de programmation des militaires ou alors de l'armée que les Wazalendo ont pu en être là-dessus. Il y a eu encore une proposition de loi sur l'interdiction notamment de mixage, de l'infiltration et des brassages. Au moment où nous sommes en train de vous parler, même si aujourd'hui que le président congolais accepterait de négocier avec Kigali, sachez-le qu'il n'y aura pas de ce qu'on appelle les brassages, les mixages et l'infiltration. Et ça va permettre à ce que nous puissions arrêter l'infiltration. Mais le contexte de la formation du gouvernement et de la nomination de Judith Suminna, c'était la première raison, pacifier l'Est-République démocratique du Congo, afin de mettre en place les politiques et des stratégies dans le domaine de la défense et de l'armée de sécurité, afin de pouvoir récupérer les localités, les villages qui sont occupés par les ennemis de la République des éléments du M23. Mais au moment où nous sommes en train de vous parler, nous pensons que la guerre dans l'Est est en train un peu d'emboîter les pas petit à petit pour pouvoir que nous puissions récupérer ce qu'on appelle Mabele Yabakoko et puis Mabele Oezali Yabakanza, Mabele Oezali Yabaimbo, Mabele Oezali Yaetien Tshisekedi Wamulumba, Mabele Oezali Yamama Dipo Esabe. Alors, bisoto moni penza eke, Ezali Eloko Yamalamu, Oyoyo, chef de l'État, a signé que dans les jours à venir, na conseil des ministres, le président Lobieke Azali ko annoncé remaniement. Est-ce que Ezali Makanisia Malamu, peuple congolais, cher compatriote, PSAP, point de vue na yo, toyo kayo, et puis eko permettre bisoto meka ko analyser na mikolo oyo Ezali koya. Mais raison aussi Ezali a remaniement Ezali nini, Ezali situation sociale. Lobi Nazaki na deuxième arrêt limité résidentiel na moni mapa. Oyo bande ko na biso ba libanais ba salaka. Babi misi lipa ya 2000 francs. Babi misi lipa o ezali ya 1500 na lipa ya 1000 francs. Bon, moi je me demande 2000 francs déjà na ville à Kinshasa, soki déjà ndeko moko o azana na 2000 akoki déjà ko lia. Moi ba malewa oyo. Oyo ba mama na biso ba lambela ka biso. Eza ko sunga peuple congolais. Soko ki na malewa na avec 2000 francs, hein max avec 2000 francs. Moto ko lia n'est-ce pas? Avec 2000 francs, bah côté le moment des soit 1000 francs, bah tu le lot soit 1000 francs au lait. Mais bah qui est comme misa lipa, lipa, oh il y a 2000 francs. Bon, naza comme tout na, moto so qui a 100 000 lipa, oh ils allient à 2000 francs. A relier à mon anini. Parce que lorsque vous achetez le pain, vous devez aussi avoir les milis qui à côté. Bah milis qui bâtient kango, na bambalage ou non, je sais pas moi, on vend ça à 300 francs ou 400 francs. En dehors des milis, vous devez avoir du sucre. Le sucre à 200 francs, ils auront le sous-souté. Sucre, Koumara, il y a 500 francs. Ça veut dire que la personne doit avoir 2000 francs. Plus 500 francs, ça fait 2500. Plus 500, ça fait 3000 francs. Et moi, il y a l'obo, ils allient à quoi au salango. Avec 3000 francs, mon Ameli, on va bien à ka. Moi, T, Ameli, en haut. Mais déjà, avec 3000 francs, mon Ameli, n'est-ce pas? Ce qu'il y a, on a malé, on a quelque part, au niveau, il y a école, moquée, na sima, awa. Avec 3000 francs, quelqu'un peut manger. Mais l'IPA est mis à 2000 francs. Moi, je me demande, nous sommes dans quel pays? Premier ministre, Maman Judith Suminna. Le président de la République, tant qu'on a annoncé dans les jours à venir, remaniement, parce que le président Loba qui est à Bruxelles, que dans les jours à venir, ce qui m'a dit, il a annoncé remaniement à gouvernement. Mais ma membre et ministre, il a dit, 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 Moussa na bango ezanini. Mikolele ki na lobaki yango ke esengeli mama Judith Tuluka. O me kakota na o situation ya lipa. Moussa la biso ta boulangerie. Moussa le la peuple boulangerie. Peuple a zana bezo alia.
Tozana besoin ba bengaka le projet ya ya Félix à toi Tshisekedi Tshilombo. Oezali ya IDPS, le peuple d'abord. Le peuple a besoin de manger. Chef de l'État ne peut pas finir son mandat sans que akrio ba bengaka boulangerie. Le président de la République, nous vous demandons avant que le deuxième mandat puisse prendre fin, prier d'installer, de créer ce qu'on appelle une boulangerie pour la fabrication du pain. Que les Congolais mangent au moins pour la première fois le pain fabriqué à travers l'installation d'une boulangerie d'un président de la République. Je ne sais pas moi à l'époque de Mobutu s'il y avait encore des boulangeries que le Mobutu avait mis en place. Mouzé n'avait pas mis en place une boulangerie. Kabila n'a plus pendant 18 ans, même pas une boulangerie. Alors nous demandons au président de la République de mettre en place, à travers la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Maman Judith Toulouka, nous vous demandons de créer ce qu'on appelle une boulangerie pour faire la concurrence à travers ces Libanais qu'on appelle les Pères Victoire et qu'on appelle IPAC. Je ne suis pas en train de faire ce qu'on appelle le marketing. Naza agent habite dans marketing t. Mais dans le bango passe que ça l'anga passe. Lipa, il y a 2000 francs et demi. Il y a 1500 bimi et il y a 1000 francs bimi. Lipa ezalaki 200 francs. Lipa ya 300 ezalaki. Lipa ya 500 ezalaki. Prix ya suka ya lipa ezalaki ya 500. Pona kozwa lipa ya 2000 ya 1500 ezalaki na ba supermarché. Et aujourd'hui lipa ya 2000 francs soko kei na bongolo. Okei ya wawa na quartier Lodja, na Kasavubu, okei o babengaka na Liberté, okei na quartier 1, okuta lipa ya 2000 francs. Le président de la République annonce le remaniement du gouvernement dans les jours à venir. Pambate, dossier Yamakala et PC chef de l'État Kanda, plus de 100 et quelques personnes au Bakoufi, 24 Bakoufi par balle et 100 et quelques Bakoufi par étouffement. Là, c'est la statistique et au ministre de l'Intérieur, Affaires coutumières et sécurité, Maître Jacquemin Chabani à Saliango. Biso tout ça qu'on vend dans la statistique, oyoyo, les officiels, bah, PC. Biso tout dans la spéculation. Alors, le président de la République a lobby dans les jours à venir. Le chef y a prison, le gouverneur de la prison, le numéro 1 à renseignement y a prison, le numéro 1 à la police, il y a sécurité, le chef y a nutrition, batunion sont les médecins soignants, y a des malades, ou y a des psychologues, na prison kuna bako kanga bango bako tia bango maboko pambate ezali dossier ou ezali sensible bato bako kokufa bongo te. Et il semblerait que Mwanga Tshuchu Hakimi, non, une autre précision de taille, Mwanga Tshuchu Hakimi te, il est bel et bien dans sa prison, dans sa local, dans son local pardon, na selile o babengaka ya ndolo. Sombele suka bisanga na kusili sate ko sala emission yo pona couper sa mbote na ngai o babengaka na oba bengi na excellence Nicolas Kazadi oyo azali bongo na vacances parlementaires dans les jours à venir tokomo na ye na niveau ya ensemble national pour la koluka ko travailler ndenge ni peuple congolais akoki bongo kozala na satisfaction ya ba besoin na ye tolobaki yango dans les jours à venir que le projet de le projet de 29 millions de dollars et landa ki bongo se ku dans normal. L'excellence Nicolas Kazadi n'est pour rien aller ata affronter na mbongwana et lokutuza ko senga na ministre Fwamba, c'est de faire son travail. Excellence ministre Fwamba, nous vous demandons de faire votre travail parce que le président de la République, dans sa pensée politique dans les domaines des finances de la République démocratique du Congo, le chef de l'État ne demande que la mobilisation soit bonne pour que nous puissions augmenter les recettes publiques afin de faire face aux désidératants du peuple congolais. Le président de la République n'a pas besoin de faire ce qu'on appelle les acharnements inutiles et bêtes vis-à-vis de votre prédécesseur. Parce que Nicolas Kazadi, lorsqu'il était arrivé à la tête du ministère des Finances, lui, il n'a pas creusé dans ce qui était du passé à travers le ministre Séré Yalangoul. Lui, il avait fait son travail. Mais Doudou Fomba, pourquoi vous cherchez à ternir inutilement l'image de votre prédécesseur? Et on nous signale que Doudou Fomba bloquerait ce qu'on appelle la prime du cabinet sortant, notamment de l'excellence Nicolas Kazadi. Les trois mois de membres du cabinet de Nicolas Kazadi n'ont pas été servis. Cet argent serait détourné. Ce sont les travaux que nous vous demandons de faire.
ce n'est pas un travail de chercher à nuire et à salir l'image de celui dont vous avez succédé. Alors, en dehors de cela, nous saluons Maman Dipo Essabé, la présidente de ce qu'on appelle CIS, un parti politique qui est parmi aussi les partis politiques en République démocratique du Congo. Maman Dipo Essabé, Mara Bobola, les combattants de l'UDPS des territoires de Boudiala, les communicateurs notamment de l'Union Sacrée de la Nation, ainsi que tous les communicateurs vous ont salué. Et Maman, il y a une demande. Je crois que le parlementaire depuis de l'IDPS, Mabisinga, Yibisa Maman, tout en a besoin, Ayambabiso, tout Pesaye, bon, bah, félicitations, Naye, après, bah, élection, Oizalaki, il y a 2018. Alors, Sombele, Souka Yabisanga, Bolobo, Souka Yengbele, Napé Simbo, Tenangai, Bongo, Nabande Kounyonso, Oibozana Poto, Binomba, Bozali, bah, abonné, Yatango Koki, Bobo Sanate, ko abonné, Bozo s'abonner, apparemment, l'issus, Bozo s'abonner, TMAX, Bazo s'abonner, le sous-titre, beau s'abonner. Tout ça, on a besoin de toi atteindre 210, 220, 230, 250 000 na tango koki. Et couper sa vie sur les pour na koluka. Ndengeni ni to koki bongo, ko travailler ensemble na bino. Na pe simbo te nangai pa na pasteur nangai, Carlos Barout, que le Seigneur vous bénisse. Il a été élu le président de la, des assemblées du message du temps de la fin ici à Kinshasa. En tout cas, nos félicitations à notre jeune pasteur Carlos. Nous, vos bien-aimés, nous vous aimons beaucoup. Je pense que la même fidélité que nous avons donnée à notre cher pasteur Barout Kasongo, l'archevêque du message du temps de la fin, Père à son âme, qui a fait un bon travail, il a servi le Seigneur à travers le message du temps de la fin. Nous vous disons que le pasteur Carlos, nous sommes derrière vous et nous sommes là, nous serons fidèles parce que tout moni bika moi mingi à travers etinda et puis mosala oyo papa na ya salaki yango to kansaye ke nzambe ya papa na yo Baroute Kasongo otolinga ki mingi to kolinga pe bongo na pe simbo tenanga e pa na ba bien mignon so ya message du temps de la fin et puis en particulier ya Baroute Kasongo neto kutani dans les prochains jours. Ciao ciao.